Eh ben comment ils vont les copains? La Team Zizadon Games vous passe le bonjour. Hein bah, on est, c'est le week-end, moi c'est depuis hier, mais bref, trêve de bavardage, je suis comme vous. Il est 18h42-43 là. Ouais, 43. On va voir ce qui est tombé aujourd'hui sur FS19 PS4. Parce que je suis passé tout à l'heure vers 2-3h, il n'y avait rien. Ah! Bon, je ne dis plus rien. Il y a quelque chose. Bon bah on a une belle semi, hein, nickel, pour le bois. Ça j'aime bien, je valide tout de suite, hein, moi qui fais beaucoup de forestier, oh c'est fort sympathique. En plus la grue elle a l'air de déchirer. Ouais sympathique, c'est top. En plus 26 000 c'est pas cher payé pour ce que c'est. C'est quand même pas mal, ça j'installe tout de suite. Vous voyez, on cherche pas à comprendre, on prend. Bon, un cultivateur de mètres, hein, pas besoin de vous faire de dessin ou de démonstration, hein. Je suis pas vendeur en produits agricoles, mais je pense que vous savez ce que c'est. Ok. Bon après on a un hangar à foin, ça pue le foin quoi. Bah, des drapeaux, ah, comme si on voulait des drapeaux. Nous on veut une Hitachi là. Regarde JCB, Hitachi, Kaz, hein, Massey Ferguson, pas de soucis, mais Hitachi, la pelle. Moi je l'ai sur PC, c'est une dinguerie, on se fend la gueule avec. Bah, sans compter tout le reste, hein, mais bon. Il pourrait la mettre franchement sur PS4, ça serait le top. Bon bah pas ça pareil, hein. Sous-soleuse italienne disponible en différentes tailles. Et donc après hein, ça doit aller sous le sol, hein, pour retourner la bonne tétère. Largeur 6 mètres, bah ça va être 2,50 m à 6 mètres. Ouais. Tu vas voir, tu vas voir. 4 tonnes! Ah ouais quand même! Hauteur du cadre, 81 cm, c'est bien détaillé quand même. On a quand même des bons détails, il hein, faut dire ce qu'il y a. Extension de silo, alors attention là ça va pour cultiver, récolter à fond, c'est une dinguerie. 265 000 litres, 154 000, bon après faut vraiment y aller quand même, hein, parce que de toute façon, ouais, c'est faut y aller. Bon après pour la saison ça on le sait. Vaderstad, guerrière pack, ok. Bah ça pareil, hein. Ceux qui aiment bien cultiver, ils kiffent. Hein. Les prix, bon, ils restent raisonnables, 30 000, 42 000, 68 000, ça reste gérable. Par rapport à un silo qui annonce à 270 000. Bon, puis ça, c'est à l'ancienne, hein, c'est des petites remorques. Hein. On les a déjà vus, on les a déjà tous connus. Hein. Donc moi, ça, j'installe pas parce que j'en ai déjà tellement que pff, ça sert à rien. Bon, moi, là-dessus, je prends pas grand-chose. Hein. À part ça, pour faire du forestier, le reste, c'est du surplus, c'est juste prendre de la place pour pas grand-chose. Donc voilà, c'est sympathique quand même. Bon, bah, on se reverra lundi, hein. Toujours pareil sur FS19 PS4 pour vous représenter encore une fois les mods qui sortent tous les jours. Donc là, ils sont arrivés un peu tard, parce que j'avais regardé, il était 2h30, je crois, il y avait toujours rien de 1h30, 2h. Donc là, 18h40, ils sont là, bah voilà, la vidéo à tombe, vous êtes tranquillou tout le week-end, on se revoit lundi. Et éclatez-vous bien, et prenez soin de vous surtout. Allez, tchuss!